néon et sans télévision. Un été standardisé, on n'en veut pas. La plage, le soleil et quelques cabanons. Bourdigou, tu dois vivre et tu vivras. Bourdigou, tu dois vivre et tu vivras. Avec rien, mais comme on le voulait, on a fait nos cabanes, nos toits. Il faut passer un été, mais la simplicité rapporte pas. Car depuis l'Espagne jusqu'aux Corbières, il n'y avait qu'une tâche et c'était toi. Et on n'a rien trouvé de mieux à faire, Bourdigou, que de te mettre hors la loi. Bourdigou, que de te mettre hors la loi. Je suis Monsieur Gaudry, maire du Bourdigou. Je suis ici depuis 1921. J'ai été élu comme maire 50 voix plus une, que c'est la voix de ma tienne. Il faut le dire comme il faut. Et alors, il faut prendre la défense de notre Bourdigou, tous les gens du Bourdigou unis pour défendre notre bien que nous avons depuis tant d'années. Et voilà. Monsieur Jodric, quand est-ce que vous avez construit la cabane? J'ai construit ma cabane en 1941. Et à ce moment-là, j'étais tout seul. Les Allemands y avaient détruit notre Bourdigou. Et c'est qu'après la guerre, que les gens ils sont revenus sur notre Bourdigou, que c'était des Français avec leurs enfants qui sont venus à se mettre des baraques au Bourdigou. Mais ces gens-là, maintenant, ils veulent le défendre. Ils veulent le défendre. Parce que c'est pas une chose de vendre pour le sens du littoral. C'est pas rentable pour le littoral. Et non. Il faut plus qu'on ne paye pas. On ne paye pas. Eh? C'est pas rentable pour le littoral. Et alors, à ce moment-là... Ça va être remplacé par qui, alors? Mais alors, si les Français ne peuvent pas venir dans notre coin du Bourdigou avec leurs enfants pour prendre l'Yode, la santé des gosses, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les étrangers qui vont venir. Alors, on va mettre à la place des Français des compagnies étrangères. Et les Français, ils seront éliminés. Ils vont aller dans un camp de concentration en payant. En payant, c'est ça. Eh oui, dans un camp de vacances, si tu veux. Pour offrir la mer au tourisme international, l'État et les grands intérêts privés décide l'aménagement de la côte Languedoc-Roussillon. S'appuyant sur les notables locaux pour convaincre les populations de l'intérêt d'un tel projet, ils vont chasser tous ceux qui font obstacle à sa réalisation. ...1921, premier recensement de paillotes de pêcheurs. 1936, congé payé, premier cabanon de vacances. 1965, chassés par l'aménagement du littoral et la création du Barcarès, des dizaines de familles vont se réfugier au Bourdigou. L'implantation libre de paillotes et de cabanons va s'étendre sur trois zones. Le domaine maritime, le domaine privé de l'État, le domaine communal. Aux paillotes succèdent des cabanons plus vite construits. Les sentiers se transforment en chemins. Un véritable village d'été où 400 familles vivent gratuitement leurs vacances s'organise spontanément. Je m'appelle Jean Plat. Oui. J'ai fait partie du premier comité de défense du territoire du Bourdigou. Avec M. Mazardeau, maire de Pézières de la Rivière.
M. Burnet et les autres. Il y a 20 ans qu'on défend une cause qui est impossible à avoir dans le département. À l'arrêté du Bois en 1958, le préfet des Pyrénées orientales, 185 baraques ont été enregistrées dans le Bourdigou, dont 135 ont payé une redevance. Je crois, à mon avis, que ceux qui payent une redevance et tous les anciens du Bourdigou qui ont créé le chemin et compliqué la plage de Sainte-Margamère ont droit à quelque chose. On nous a proposé par M. Bonneau de l'aménagement du territoire une parcelle de terrain qui se montera à 1,5 million, d'après eux. Mais qui voulez-vous que les vacanciers du Bourdigou puissent se payer un terrain comme ça? Moi, la démolition, je ne démolirai pas tant qu'on ne va pas affirmer qu'on est au moins quelque chose pour nous, c'est tout. Et alors, moi, je ne dis que la vérité, vous pouvez la résister, je ne dis que la vérité. Je suis un des vieux, un qui crée le Bourdigou. Parce qu'il n'y avait pas de chemin au Bourdigou, il n'y avait rien. C'est nous qu'on a créé les anciens. Hein? C'est nous. Et M. Pagnon nous a porté à boire, à manger. Bon, alors, mais c'est pas à nous, ça n'intéresse pas à nous, comprenez-le. C'est comme en sociologie là et tout. Et si nous, alors, les Indiens du pays, où ils ont venus? Au pôle Nord? Et alors, on s'est trouvé Touré. Je suis allé trouver Touré. Je suis allé trouver Alvi. Je suis allé trouver Pam. Ils sont venus ici dans ma baraque prendre l'apéritif au commencement. Oui. C'est ça? Oui, oui. Tous! Maintenant, personne. Fini. Depuis l'aménagement du territoire, il y a 17 ans, allez, off, pour s'aime. On nous a abandonné. C'est fini. Les députés, les sénateurs, quel mélange, ils ne veulent pas se mélanger avec nous. Ils se mélangeront avec les Allemands quand même, ils font l'Iapaya là-bas. C'est vraiment une terre qui n'est pas eux, une terre qui est dans la Catalogne. Parce qu'un jour, sur nos plages, il faudra y aller en smoking et sous les vernis, et sur une barrière, il faudra que tu payes. Parce que ce sera monsieur Untel, ou monsieur Untel, ou monsieur Untel. Il faudra passer par chez eux. Moi, je reste. Et tout le monde me suit, on reste. On verra. Ils ne tueront pas. On n'est pas en train des Allemands. Si t'es arrêté par les Allemands, je crois qu'ils ne feront pas plus de mal qu'ils m'ont fait les Allemands, les Français. Mais comme tu sais, de feu, il y a partout. Il y a partout. Oui. C'est pas rien que dans les cabanes qu'il y a du feu. On s'y en a fait de potager, mais comment t'as fait toi t'amener la terre avec une remorque? On a tout on a mis du fumier, on a tout remué, et il y a 40 cm de profondeur de terre. Et dessous, il y a le sable. Il y a le sable aussi. Oui. Et chaque année, on plante des tomates, on plante des aubergines, de tous les légumes. Quoi. Maintenant, on en a arraché pas mal. Il y a la vigne, il y a la brigantine. Il y a dans la brigantine? Oui, il y a le prunier. Et M. Guy, il est vieux, non? Oui, il a 18 ou 19 ans. Et c'est toi qui l'as installé, la pompe, là? Oui, moi, ma femme, mon beau-parent. Ça te sert? Le forage qui fait 3 mètres environ, ça me sert pour le lavoir. Puis alors, j'ai la pompe, la pompe à essence, là, pour arroser le jardin. C'est très pratique. Et ça servit à grandir tous ces arbres. Et l'eau, vous la buvez Oui, on la boit normalement. Elle est faite analyser, elle est potable. Ouais. Elle est tout à fait potable. Et ma femme se régale de laver au bassin. Ça change de la machine à laver. Et pour l'évacuation de l'eau, du lavoir, comment alors, ça se passe? Alors, tu as l'eau qui part ici, qui passe dans des tuyaux qui sont enterrés à une trentaine de centimètres 40 sous le jardin, qui vont dans un puits sec. Et il n'y a absolument pas de pollution, quoi que ce soit, je suis du métier, moi alors je sais ce que j'ai fait. Ouais. Hein? Après, tu vois, avec la pompe à bombeur là, on met l'eau là-haut, dans le bidon, là-bas. Dans le bidon, ça descend, et il y a un robinet sur l'évier, ça alimente l'évier. Et l'évier va rejoindre aussi le puits sec qui est là-bas. Ça fait qu'il y a l'eau courante à l'intérieur. Il y a l'eau courante à l'intérieur, si tu veux. Alors cette maison, vous l'avez construite en combien de temps? 3 ans, approximativement. 3 ans. 3 ans, oui. En travaillant les week-ends? Oui, et je faisais surtout. Je travaillais surtout dimanche, samedi aussi quelquefois. S'il y avait une fête en semaine, on venait travailler. Vous l'avez fait seul? Non, avec une copine.
Oui. Un copain qui était un copain maçon. Qui était maçon. Il me donnait beaucoup d'idées. Alors à tous les deux, on faisait ça. On ne travaillait pas 4 ou 5 heures, on travaillait. On ne travaillait pas 4 ou 5 heures, mais on travaillait des choses de 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir sans arrêt. Et pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire une maison comme ça ? Eh bien, j'ai envie parce qu'il y avait beaucoup de neveux. J'ai eu envie parce que j'avais beaucoup de neveux et on m'avait dit qu'il fallait qu'ils aillent à la mer. J'ai trouvé une occasion d'acheter des matériaux. J'ai trouvé une occasion d'acheter des matériaux. À un copain. Ils ont dit, on va s'installer là-bas, puisque eux-mêmes venaient. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, on s'installe là, et puisque je vois qu'il y a les autres, moi aussi. On a commencé à faire un petit cabanon, on a fait une autre pièce, et puis une autre, et successivement, on a fait une grande maison, comme vous voyez. Vous développez peu à peu. Ah oui, oui, vous ne faisiez pas ça une grande quantité. Oui, on ne faisait pas ça en grande quantité, parce qu'on n'avait pas les moyens. Celui-là qui avait 4 sous de côté, il a construit une petite baraque et ensuite de plus en plus grand. Pourtant, ça a l'air d'être des bons matériaux là. Ah oui, c'est des bons matériaux, oui. Et c'est tout. J'ai acheté pas mal de bois. J'ai acheté pas mal de bois à une maison de bois. Et j'ai commencé par faire les coins. Et j'ai commencé par faire les coins. Je mettais une chape de ciment avec des grosses pierres que je transportais avec mon triporteur à 80 cm à chaque poteau. Ça ne bouge pas, hein. Alors ça ne bouge pas. C'est tout à fait solide. Et vous les avez traités, les bois, là, vous avez traités les bois, et vous m'avez donné l'idée, c'était un copain, qu'il fallait mettre de l'huile brûlée. Un copain m'avait donné l'idée qu'il fallait mettre de l'huile brûlée de moteur de vidange, tous les hivers. Comme ça, l'eau ne pénètre pas dans le bois, et ne pourrissait pas. Et en même temps, les microbes, les vers, tout ça, ne restait pas non plus. Pas mal d'années que j'ai construit la maison, il n'a pas bougé. Maintenant, ça fait pas mal d'années que la maison est construite, ça n'a pas bougé. Alors, à votre avis ? Eh bien, je ne vois pas une solution assez juridique, quoi. Mais je ne vois pas une solution juridique, parce que depuis qu'on nous en parle de nous foutre à la porte, je crois que si on ne tient pas bon, on va y arriver. Vous croyez qu'il pourrait vous expulser de fort ? Vous savez, quand on est misérable, les riches commandent toujours. Ils ont la force. Alors, évidemment, qu'est-ce que nous ferons si on n'a pas la force ? Si on n'oublie pas force. Et quelles sont les solutions alors auxquelles vous pensez ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Voilà, vous savez, solutions. Vous savez, les solutions, c'est délicat de dire ce qu'on pense. Puisque pour nous, on est bien. On fait de mal à personne. On a travaillé pour arriver à ce point-là. Et maintenant qu'on était bien installé, qu'on a fait beaucoup de sacrifices. On avait fait quelques petites économies et maintenant dehors. Mais je crois que c'est pas tout à fait logique. Souviens-toi de ce beau soir d'été, l'air était doux et nous étions seuls sur la plage. Souviens-toi de ce beau soir d'été, l'air était doux et nous étions seuls sur la plage. Eh bien, on prend comme raison la sécurité, mais je crois que c'est pas ça. On veut améliorer le Bourdigou comme toute la côte, comme Barcarès, comme Canet, et voilà. C'est pour ça qu'ils veulent nous faire partir. Mais on est une majorité de gens qui ne partiront pas, parce que nous sommes là des ouvriers, et il y a toutes sortes de gens qui passent leurs vacances ici, avec leurs enfants, les parents, et on n'a pas les moyens d'aller ailleurs. Oui, avec très peu de moyens, on peut se payer des vacances. Parce que par exemple, moi j'ai 6 enfants, j'en ai 4 à charge, mais je gagne 190 000 francs par mois. Alors avec ça, je ne peux pas me permettre d'aller passer les vacances ailleurs. Oh. Et puis ici, on est bien, c'est la liberté, c'est les amis, c'est les grillades, la mer, les jeux des enfants, ils sont libres. Il n'y a jamais eu d'accident. Le feu et la mer, c'est bien. Ici, on a la liberté, on est libre, on fait tout ce qu'on veut. Bonjour. Bonjour, Mia. Pourquoi on dit bien le sable dans le pays ? Tu les as pêchés ? Si. Ah, tu m'as fait cadeau ? Avec plaisir. Eh bien, c'est bien, nous allons les faire sur le gris, hein ? Eh bien, très bien. Elles sont meilleures. Elles sont belles. Elles sont belles. Et moi, les sardines, Maurice.
Regarde. Putain. Cantando, yo te lo digo bailando, yo te lo digo gritando, ay la perna la tengo yo. Yo te lo digo cantando, yo te lo digo bailando, yo te lo digo llorando, ay la perna que estoy pasando. Des circonstances qui vous ont amené à venir vous installer ici au Bourdibou. Eh bien, ma foi, la première fois que je suis venu ici, c'est parce que j'ai été exproprié du Barcarès. Nous étions au Barcarès depuis 12 ans. Puis après, ma foi, il y a eu le port qui s'est fait, tout ça, nous étions au bord de la route. Nous sommes partis, naturellement. Et nous sommes venus ici, nous installer. Parce que à ce moment, j'avais 5 gosses, dont un enfant handicapé, et j'avais besoin de la mère. C'est simplement pour ça que je suis venu m'installer ici. Alors, comme toutes les places étaient prises, j'étais obligé de mettre sur le terrain maritime. C'était le seul endroit qui était libre. Le terrain étant sale, c'est-à-dire avec des débris de la mer, qui dataient des Allemands, vous voyez. J'ai tout nettoyé, je me suis aménagé un petit carré où j'ai fait une dalle et puis j'ai monté en baraque comme ça. Des élus locaux qui ont pris position pour le Bourdigou ? Eh bien, jusqu'à présent, non. Non, il faut dire ce qui est, il n'y a aucun élu de notre département qui soit venu pour nous aider, vous voyez, ni qui ont pris position pour essayer afin de nous aider. Ce sont des élus qui se disent de gauche, enfin jusqu'à présent ils sont tous socialistes, ils sont de gauche, ils devraient venir en aide aux ouvriers, parce que les gens qui sont ici au Bourdigou, nous sommes des ouvriers, des gens qui ne pouvons pas nous aller à Canet et payer 200 ou 300 000 francs pour un mois avec une famille. Alors, le cabanon, c'est les vacances de l'ouvrier. Alors il aurait fallu que les élus locaux viennent un petit peu nous aider. Ils ont bien besoin de nous pour les voir, pour les élections. Alors il faudrait qu'ils pensent à nous, un peu. Et les mères de famille au Bourdigou, est-ce que ça change? Eh bien, les mères de famille au Bourdigou, ce sont les plus belles vacances qu'on puisse passer, parce que là, le ménage est vite fait, les enfants, un petit maillot de bain, il n'y a pas de problème de machine à laver ni quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas d'électricité. Un bain, tout le monde est propre, malgré qu'on doit faire beaucoup de cuisine, parce qu'on a beaucoup de familles là, mais enfin, quand même, tout le monde vit dehors. Et le soir, j'ai un lit et une couverture et tout le monde est content et c'est impeccable. Ce sont des vacances pour la mère de famille idéale. Pour les pouvoirs publics, pressés d'en finir avec le Bourdigou, il y a deux solutions. Ou le démolir par la force, ou le faire démolir par les occupants eux-mêmes en leur promettant en échange de devenir propriétaires sur le nouveau site aménagé. Dans un premier temps, cette deuxième solution sera choisie et réalisé avec l'aide de la FAM, l'association de défense du Bourdigou, qui va s'employer à convaincre ses adhérents de la bonne foi des aménageurs. Bravo! Bravo, Marcel! Bravo, Frédéric! Bravo, Frédéric! Alors, vous avez construit la place Jean-Moulin, comment oui. Ça s'est passé? Il vient se passer depuis 10 ans, on a planté les arbres, et alors par le site, avec le voisin, on dit on va mettre le nom de la place Jean-Moulin. Pour le souvenir de l'instance. Jean Moulin qui a été même pierre. Et c'est vous qui avez planté les arbres? Oui, monsieur, là, oui. Moi, tout seul, j'ai planté les arbres, des branches. Et alors, j'ai fait des arbres comme ça. Il a tout planté, il a tout créé. Et là, on passe, tout ça, il m'a porté, là, on passe. Et après ça, il faut partir. Alors? Oui, oui. Oui, non. Pour ça, c'est le coin le plus joli de Bourdigou, quand même. Ah, vous croyez que c'est le dernier été? Oui, c'est le dernier, oui.
Peut-être, peut-être. Vous avez l'espoir encore, il vous est capable. Il n'y a pas d'espoir, hein. Non, il n'y a que des couilles, il n'y a que non. Il y a un peu de tout, il y a même chez boire quand même. Bon, René, alors il y a 18 ans que tu as construit la baraque. Oui. Est-ce que tu as jamais eu de problème avec l'administration? Avec l'administration et le même, non. Mais j'ai été convoqué par deux fois à l'éducation nationale. Comment ça? J'ignore comment, de mon métier sur ma tante. Je n'ai jamais été tuteur de ma vie. Alors la première fois, on m'a été rentré. L'inspecteur m'a été rentré et puis il m'a dit qu'il faut foutre là. Bon, j'ai dégrippé et puis les quatre pieds ont levé, tu vois. La deuxième fois, je me suis représenté. Alors il m'a dit, vous, on n'a pas besoin de vous aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai su. C'est parce qu'il t'a dit que tu étais un instituteur. Oui, et il m'avait pris pour instituteur, exactement. Ah, parce que si tu avais été instituteur... Oui, alors il m'a dit qu'avec les moyens que j'avais, je pouvais construire ailleurs. Alors qu'il ignorait que moi j'étais instituteur. Puisque tu es maçon. Quelles lois sans doute celles qui servent tous ces gros promoteurs qui construisent les cellules studios vues sur la mer pour parquer, pour plumer les touristes. C'est à croire que la liberté doit nuire à la santé mentale des Français. Pour Digou, les seuls mois où l'on peut vivre avec toi, on veut nous les arracher. Avec toi, on veut nous les arracher. De la paillote à l'autobus dissimulé, les jardins de rocailles et d'oasis fleuris, une multitude de solutions sont inventées pour le plaisir de vivre quelques jours au bord de la mer. Construites depuis l'Antiquité, très adaptées au sol sableux et au climat venté et humide, les paillotes sont cependant peu à peu abandonnées. Pourtant, leur construction est simple, mais l'attente des saisons, qui rendent les matériaux utilisables, décourage ceux qui sont pressés de bâtir un abri pour l'été. Seuls, les habitants permanents, ou ceux qui en ont le temps, peuvent ramasser l'hiver le bois flotté par la mer, qui assemblé formera la structure, tailler en juillet les roseaux souples et nerveux, et faucher le sénil en septembre, seule époque où ce petit roseau placé sur mur et toit assurera l'étanchéité générale. Seul problème, le feu. Le feu, c'est un danger aux imprudents. C'est pour le bourdigou. C'était primordial pour moi. J'y passe de bonnes vacances et je souhaite y rester longtemps. Et je suppose que les collègues sont de mon avis. Regardons ce qui se passe du côté de ceux qui ont acheté les nouvelles constructions. Lots de gaz. Ne te pose pas de questions, c'est les vacances, t'es heureuse. Impôts locaux. Ne te pose pas de questions, c'est les vacances, t'es heureuse. Impôts de résidence secondaire. Ne te pose pas de questions, c'est les vacances, t'es heureuse. Amende pour linge étendu aux fenêtres. Ne te pose pas de questions, c'est les vacances, t'es heureuse. Amende pour construction d'une véranda en dehors de la réglementation. Ne te pose pas de questions, c'est des vacances, t'es heureuse. Note d'eau. Ne te pose pas de questions. Note d'électricité. C'est des vacances. Note de l'emprunt à la construction. T'es heureuse. août 1976, c'est la fin des vacances. Quelques familles sont déjà parties. On range, on protège les fenêtres et les portes comme d'habitude. Et pourtant, on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais le fatalisme et l'individualisme règnent. Alors, excédé par l'attitude démobilisatrice que répand l'association de défense, une trentaine de Bourdiguéros crée le comité d'action de défense du Bourdigou. Premier objectif,
unifier le plus grand nombre d'habitants sur le refus de démolir au 30 septembre. Malheureusement, cette échéance proche ne laisse pas le temps au comité d'action de mobiliser suffisamment de familles. Et malgré l'organisation d'une grande fête de soutien, le domaine maritime sera rasé le 14 octobre. Vous aviez une maison ici, oui, sur le bord de la mer. Oui, nous avions une paillote au bord de la mer, là. Ah oui, oui, c'était une paillote. C'est pas nous qui avons détruit Saint-Vulozère. Ah oui. C'est tout ce qui reste de votre maison? Absolument, il ne reste plus que ce pauvre arbre-là, qui a été planté il y a 14 ans exactement, et qui à l'heure actuelle est en train de souffrir parce que seul et non protégé comme il l'était, comme il l'est maintenant plus exactement, il ne résistera pas longtemps aux intempéries. Oui, là, vous voyez, c'est la paillote que j'avais était construite sur une dune qui a été complètement nivelée par les bulldozers. Alors, je me demande maintenant ce que ça peut donner, par un jour de grosse mer, si l'eau ne pénétrera pas jusque vers Sainte-Marie. Et quand je pense que... On m'a parlé de vouloir faire un espace vert dans ce coin. Quand je vois ce pauvre arbre, je me demande quel espace vert on pourra y construire. C'est bien simple. Entre le maire de Bourdieu et les copains et les jeunes, nous occuperons la principale paillote pour passer l'été. Pour nous défendre, pour défendre la démolition complète. Que le camp des pêcheurs, il doit rester, je suis le seul pêcheur que reste, que je suis ici, depuis un 21. Et alors, à ce moment-là, un peu chacun, on défendra nos droits. Pourquoi? C'est un coin, c'est catalan, c'est une plage de catalan que nous voulons, et c'est notre propriété de tous. Ce n'est pas la propriété des autres, des étrangers, comme ils ont fait le Barcarès, comme ils ont fait beaucoup d'endroits. Ce n'est pas vrai, ça. C'est à nous de nous défendre. Il faut se défendre quand même. On verra comment on sera. Thank you.
ils sont venus l'après-midi. Et il y a eu au moins 3 ou 4 temps à bagarre là, avec les gendarmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et même, je te dis comme il faut, il y avait des jeunes là qui montaient sur les toits pour défendre les baraques, tu sais que j'avais mis, comme ça, hein, occupé. Et bien, ils sont bagarrés comme ça. Je connaissais tout le monde ici. C'est vrai. Mais moi, j'avais vu de mauvais, comme disent les choses, de mauvais sujets. C'était des gens plus honnêtes que certains qui se croient honnêtes et qui sont des voleurs. Ils ont volé le bourdigue tout. Tu vois? C'est lui le principal coupable. C'est lui le principal coupable. Collaborateur. Mais ça, mon ami, écoute, c'est bien simple, le collaborateur. Je te dis, nous sommes, quand il vient Mussolini, Hitler et Franco. Nous sommes dans une dictature, même ici maintenant, heureusement que les jeunes ne savent pas faire, sinon on serait pire que les dictatures ici aussi. Mm-hmm.